Désolé, je suis en retard. Je suis parti discuter avec le voisin, comme d'hab. Lancer live, je vais partir faire d'autre chose. Allez, go, continue la quête des pirates. Là, ça va cartonner un petit coup. Peut-être la meilleure quête de faction du jeu, tout simplement. Pour ça, je la refais. Ah, j'ai toujours du mal avec le... avec la mise en scène de ce jeu qui est pourri, mais alors... Ah, il y a juste un truc que j'ai oublié. Couper la musique. Tac. Voilà. Regarde si j'ai pas un niveau à passer. Là, ça monte pas vite hein, les compétences. Ah oui, alors attends. Bien sûr, faut que je passe mon clavier en anglais. C'est chiant, je prends pas l'AZERTY. Alors. Ça va claquer un coup là. Je crois qu'on va tomber sur des copains. Ouais. Pas tellement d'accord de nous rencontrer. Je suis contente que nous nous trouvions de ce côté de la vitre. Ah bon ? Elle est bien ce personnage, elle est beaucoup mieux que... Elle s'appelle Sarah. Elle est quand même beaucoup plus intéressante. Regarde la mort dans les yeux. Ellipse sans étui, ça c'est cool.
Laissez partir, laissez partir, les tue pas, Andréna. T'as pas eu, toi. Inaccessible. Pas obligé de les tuer. C'est quoi que j'ai? Génération de protection. Et ah. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont barrés. C'est allé. M'en fous. Heureusement. Il y a eu un problème collatéral, mais... Lâche. Mais c'est des civils. T'es tranquille. Ça vaut pas le coup. J'ai dû lui faire peur. Allez. Je peux pas... Si je partais plutôt silencieux, non? Cette arme-là, faut que je la revende, on sait rien. Te voilà. Tu partiras pas d'ici vivant. T'es pas obligé de tenir civil. Aucun signal, ok. Andréna, tue pas les civils. Elle arrête pas de dégommer les civils. Et arrête de leur tirer dessus, nom de Dieu. Lyon. Des civils. M'en fous. Sérieusement, arrête de leur tirer dessus. Ah, c'est elle l'a tué. On peut pas s'empêcher. Hein. Voici là-dessous. Quoi ça? Pas les robots aspirateurs non plus. J'ai merdé. Voilà une foire de merdé là-dessus. Ah mais c'est pas vrai. Mais non mais... Si, il y a une porte là.
Ouais, mais il y en a partout. Ça, le problème, c'est que c'est lourd. Hein. On va prendre ça, on va s'en débarrasser. Ah, voilà. La porte en haut, j'aurais bien voulu ouvrir, qui était inaccessible. Pourquoi j'ai pas réussi à l'ouvrir? Arrête de les tuer. Ah, je pense qu'on va revenir par là. Non mais, ah, ta mélo, t'as fait un génocide quoi. Elle va pas se calmer quoi. Sans espoir. T'as resté là, toi. Ouais. Ah non, tu vas pas me dire que t'es bloqué sur la porte. Toi, t'as fait un génocide. Dès qu'il voit des civils, faut qu'elle tire. J'en peux plus. Vérifier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Je vais pas me rendre. Non mais t'es sérieux là? Je pense qu'on pouvait la faire discretos, mais. Pas parti pour être discret. Arrête de tuer les civils, s'il te plaît. T'as vraiment rien de bouffer des trucs dans le jeu, quoi. Trois points de vie. On a je sais pas combien. Cassez-vous, vous voyez bien que vous ne faites pas le poids civil.
L'intelligence artificielle, elle est... un peu à la ramasse. Non, un peu à la ramasse, elle est complètement à la ramasse. J'en peux plus. C'est sans espoir. Je peux faire ça, vos belles. Il est où Je peux pas faire ça. Ouais, si, t'inquiète. On va faire quoi? Blablabla. Ok, ça y est, télécharger les plans. On l'a. Il y a un peu, hein. Ok, quelque chose là-dedans. Ah si. La 58, pas mal. Si je peux fabriquer quelque chose. C'est pour votre usage personnel ou pour la revente? Je sais pas, c'est pour me donner de l'XP, c'est tout. Masse laisse tomber quoi. Faut choisir parce que les masses sont lourdes de ces conneries là. Oula, il y a un gros robot là. Pas une sauvegarde. Saumon fumé, rien à foutre. Ça veut dire bonjour en japonais. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez intérêt à vous en souvenir. On tue que les militaires en... le bout là, on tue pas les civils. Hein. Ah, c'est lancé une grenade quand même. Deux, trois civils quand même. Ça va très bien. Attention, j'ai hâte de te descendre. Arrosez-les, je fonce. Ah, moi je l'ai entièrement. Pas besoin de racheter. Les extensions, ça m'intéresse pas. Combien?
Bon, arrête de tuer les civils, toi. Elle arrête pas d'allumer les civils, elle. Pas demandé d'allumer les civils. Ils touchent pas à eux. C'est sans espoir. Je me casse. Ah oui, casse-toi. Il attaquait pas Adria parce que elle. Ton heure est venue. Eh ben, tu vas tu fais des génocides, elle. Mais calme-toi. C'est des scientifiques. Ils ont un point de vie. €12. Bah ouais, bah faut acheter à 12€. Même pas la peine, hein. Salut Bayou. Arrêtez s'il vous plaît. Tirez pas. Si c'est le code de chiffrement que vous voulez, prenez-le. Pas la peine d'avoir recours à toute cette violence. Comment vous savez que je suis là pour le sujet ? J'ai reçu une notification quand vous avez accédé à l'ordinateur pour le noyau de l'alimentation. Je savais que vous alliez venir, bon, mais je savais pas quand. Faut l'acheter pour... Franchement, à ce prix-là, faut même pas hésiter, hein. T'en compte, t'as Hitman 1, 2, 3 en plus. C'est même pas Hitman 3, c'est Hitman World of... Assassination. T'as les 3 en 1, sauf les 2 cartes DLC. Et les 2 cartes DLC, tu les as dans le mode freelancer. Hein. Donnez-moi le code et je déciderai ensuite de... Il y aura des BC. Écoutez, pas la peine de vous énerver. Je suis avec vous. Avec j'essaie moi, pas de vous tromper. Si vous voulez le code, il est à vous. Là, je ferai n'importe quoi pour me venger de mon frère. Il doit payer. Ah, c'est son frère. Il y a de très bonnes raisons de détester votre frère. Ne prenez pas de haut. Je sais que je suis pas tout blanc, mais je passe pas mes journées à essayer de rouler tout le monde. J'ai passé toute ma vie dans l'ombre de Ben. Tout a toujours bien marché pour lui, alors que moi, j'ai enchaîné que des petits boulots et je survivais à peine. Pendant ce temps, il rigole dans mon dos. Il trouve ça hilarant de se moquer de son idiot de frère, comme si je m'en rendais pas compte. Vous devriez prendre de la distance avec lui. Peut-être déménager sur une autre planète ? En me donnant le code, vous vengez de lui. Ouais, ça serait bien. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à le battre en combat singulier, c'est une alternative raisonnable. Mais vous savez quoi ? J'en ai marre d'être maltraité. Je veux être aux commandes pour une fois. Le mot de passe de mon terminal est GEN-41A18. Ça devrait vous donner accès au code et à tout ce que vous voulez. Moi, je pars de là pendant que je le peux encore. Et je vous conseille d'en faire de même une fois que vous aurez terminé. Je vais vous brouiller avec parce que c'est une merde. Voilà pourquoi. Parce que c'est une merde. C'est pas surprenant. Même plus jeune, on s'est jamais vraiment bien entendu. Il a 11 ans de plus que moi, on n'a pas la même mère. On aurait aussi pu venir de deux familles différentes. C'est peu de le dire. J'ai jamais connu ma vraie mère. Elle était la maîtresse de mon père et on m'a dit qu'elle avait disparu de Néon quand j'avais 2 ans. La mère de Ben n'en avait rien à foutre de moi. Elle refusait même que je l'appelle maman. Oh, mon et puis, papa. Ami. Tellement pris par ses affaires... Je compatis. On dirait que Benjamin n'a pas accepté ses origines. Vous allez chercher votre mère biologique ? Ouais, j'ai essayé, mais ça s'est toujours fini en impasse. C'est comme si elle était là un jour et qu'elle avait subitement disparu le lendemain. Et que son existence avait été effacée des souvenirs de tout le monde. Ça me surprendrait pas d'apprendre que mon père l'a fait assassiner pour éviter d'être embarrassé publiquement. C'est le genre d'homme qu'il était. D'accord. Vous êtes quand même né avec une cuillère d'argent. C'est vrai que mon enfance a été plus facile que les plus pauvres de Néon. Mais émotionnellement, ça m'a détruit. Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Et ça me soulage de pouvoir me confier à vous. Mais en parler ne changera rien. C'est pour ça que je vous ai confié le code de chiffrement. Tout ce que je peux faire pour la mettre bien profond à Ben, c'est ça ma vraie thérapie. Ouais, vous finissez de travailler par comme d'habitude, vous pouvez remercier mon cher frère pour ça. Au début, il m'a nommé administrateur adjoint. Ça s'est bien passé jusqu'au jour où j'ai refusé de coopérer avec Owen Dexler et ses brutes de la sécurité de Néon.
Ensuite, il m'a fait travailler avec Valentina à Xenofresh pour aider à la distribution de l'Aurore. Jusqu'au moment où elle m'a fait accuser de fraude fiscale. Et maintenant, je suis technicien en chef chez Jennerdine, alors que j'ai aucune connaissance en ingénierie électrique. On voit les choses pour vous chez Jardine ? Sur une échelle de 1 à 10, où 1 est le pire, je suis environ à moins 8. J'ai aucune connaissance en ingénierie électrique. Technicien en chef, c'est ridicule. Ben m'a mis là en s'attendant à ce que je fasse des miracles. Il n'a pas pensé une seule seconde aux répercussions. Ça m'étonne pas. Ce qu'il me faut, c'est une découverte. Une seule. Et je pourrais lui faire fermer sa gueule. Putain, ça me ferait du bien. Attends, on va lui dire. Bordel, je crois bien que vous avez raison. Je veux dire, ça va prendre un certain temps, mais je parie que je pourrais m'en sortir. On va être gentil avec lui. Tout ce temps, j'ai cherché à développer quelque chose de nouveau alors que la solution était sous mon nez. Même s'il est mal habillé. Merci de m'avoir donné le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour continuer. Rendez-moi un service. Ne dites pas à mon frère qu'on a discuté. Il aimerait pas ça. Allez, tout est bon. Je crois que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Vraiment. Ah, tu vas pas commencer comme l'autre, là, toujours de me dire que je porte trop lourd, là. Allez. Patahouse de Benjamin. Je sais pas ce qu'il faut que j'aille. On est dans son Patahouse, c'est peut-être des trucs à voler. Ah bah non, j'y suis. Messieurs, bonjour. Ne dites rien, mais j'ai fait un peu le massacre derrière. Là, le frère. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Vous êtes ici pour voir quelqu'un, c'est évident. Heureusement vous, pour elle, cette personne a loué ce salon VIP sous un faux nom. J'imagine que c'est la même personne qui vous a fourni le joli petit virus installé dans les systèmes de Jennerdine. Et même parce que je suis là, alors... Est-ce que je suis là? Vous connaissez l'enjeu. Oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce virus est impressionnant. Son nettoyage va me coûter des milliers de crédits. C'est bien la dernière fois que je sous-estime les capacités de la flotte écarlate. Bon, vous savez, je fais partie de la Et moi, je suis un homme d'affaires, donc je sais quand me retirer. Vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que je ne négocie pas avec les pirates. Ils ne comprennent ni le concept d'engagement, ni de contrat, ni même comment faire affaire avec finesse. Non, seule la violence et la force prévalent chez vous. Vous tirez, vous pillez, vous posez les questions ensuite. C'est pas ma vision des affaires. Votre arrogance est stupéfiante. C'est ce qu'on dit, oui. Écoutez, je suis pas venu vous juger, mais vous faire une proposition.
Si vous me dites qui va tirer profit du virus que vous avez téléchargé, je vous laisse quitter la ville en vie. C'est ça, votre proposition ? Vous êtes un fin négociateur, en effet. C'est la moindre de vos préoccupations. Montrez-moi notre taupe et je m'occupe du reste. Vous n'aurez même pas à vous salir les mains. Je le dirai même pas ? On dirait que c'est moi. Vraiment. Vous choisissez cette version. Très bien. La sécurité de Néon va bientôt découvrir un cadavre. Un cadavre accompagné de preuves tangibles. Oh bah tu vas mourir toi. Je dirais qu'il vous reste... une heure pour quitter les lieux avant que votre tête ne soit mise à prix. J'admire presque votre enthousiasme pour la corruption. Bien. J'en déduis que ceci scelle notre petit arrangement et que vous quittez la ville. Ah, quand vous retournerez à bord de la clé, merci de transmettre à Naeva et Delgado mes sincères salutations. Est-ce qu'on pourra se parler quand vous aurez un moment ? On va se parler là, devant lui. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais j'ai peur de votre réaction. Grave que ça, il faut... Et c'est grave que ça, il faut mieux rien dire. Avis sur vous. Mais rien va me changer d'avis. Je n'ai pas très envie de mettre vos certitudes à l'épreuve. Mais nous devons être honnêtes entre nous. Je sais que vous préférez la compagnie, contrairement à moi. Mais Constellation compte pour nous deux. Et je dois vous dire pourquoi. Le peu que j'ai révélé de mon histoire était vrai. Et blablabla. J'ai travaillé avec des contrebandiers et causé ma part de douleur et de souffrance. Ce que j'ai caché jusqu'à maintenant, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au nom de la maison Varun, mon peuple. Ils ont coupé toutes leurs relations officielles avec l'Union Coloniale et la Confédération Liberastra, mais ils existent toujours. Je suis née dans la grande cité de Dazra, et j'ai été élevée dans les enseignements de Jinan Varun. J'ai passé le rituel de Kredjar lors de mon passage à l'âge adulte. Je fais partie des héros, ceux qui connaissent la vérité du Grand Serpent et l'inéluctabilité de son retour. Là, je me fiche, je vais te passer. Ah, c'est bien ça. J'espère que ce n'est pas un genre d'histoire qui finira par un 1 et maintenant je vais vous tuer. Votre capacité à faire de l'humour dans n'importe quelle situation est remarquable. Non, je ne vous tuerai pas parce que vous êtes au courant. Mais comprenez bien que c'est une information exclusive. Il y a quelques années, j'ai intercepté des demandes d'accès à l'espace Varun de la part de Constellation pour de l'exploration. J'ai été envoyé infiltrer Constellation en me faisant passer pour une ancienne contrebandière cherchant une nouvelle vie. Êtes-vous un agent sous couverture ? Telle était l'intention, oui. La réalité est plus compliquée. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai essayé d'accéder à des archives sécurisées de Constellation. Vladimir et Sarah m'attendaient. Toujours là, donc ils sont pas si méchants que ça. Je savais pas du tout quoi penser. J'étais terrorisée. Le Haut Conseil allait être informé de mon échec et ma punition allait être sévère. L'information, elle vous envoyait à la maison Varun. L'histoire de Constellation, les cibles des expéditions, des données sur les systèmes stellaires que la maison Varun n'a pas encore explorés, certaines informations concernant ses membres et leurs objectifs,
Comme vous le voyez, peu de choses seraient considérées secrètes. Je comprends pas, Sarah, oui. C'est quelqu'un de bien. Je n'imagine personne d'autre faire ça dans ce genre de situation. Vous et moi passons tellement de temps ensemble qu'il devenait de plus en plus difficile de vous le cacher. Et j'en suis désolée. Vous avouez ceci va à l'encontre de tous les ordres qu'on m'a donnés. Mais je devais le faire, je le sais. À part, je les prenne un par un, les personnages. Ils ont tous une histoire bien, étant donné qu'on va en prendre un par... par game. On n'a pas le temps de développer toutes les... Pourquoi les gérer ? Oh, bah vous êtes la même. Vous n'avez pas idée du soulagement que ça me fait. Merci de me faire confiance. Donc chacun leurs histoires. On fera elle après. Juste le cow-boy, ça m'intéresse pas trop. Vous attirez pas de problème. Je n'ai aucune envie de vous facturer. Ça va être chiant quand on va pas pouvoir aller sur Néon, on va se faire allumer. On va être obligé de tuer tous les flics quoi. On va faire ça. J'ai pas peur moi la sécurité. Alors, au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a récupéré ? La merde. Oh, je crois que je vais lui vendre. Bon. Je ne vais pas acheter une arme comme ça aussi à ça. On nous a appelé pour une panne. Ah, on... Adrien, j'arrive jamais à peu prononcer son nom. Nous vous offrons une vaste gamme de cosmétiques et de services biologiques. Contre quelques crises. Allez voir Thor. Si vous vous demandez d'où vient cette odeur. Il a pu avoir d'argent, ça. Ouais, quoi ? Tout ce que vous voulez. Ah si, alors, il a 14 000. Allez, on va lui vendre des combis, déjà. Regardez celui-là. Pas dans le vaisseau. Après. Le vaisseau, j'ai plus rien. C'est des munitions, lui. Point 50 sans étui, on n'a pas, lui, je crois. Dégagé. Je suis occupé. Non, j'ai compris qu'elle n'était pas mineuse. Si vous avez les crédits, j'ai ce qu'il vous faut.
pas de point 7, point 7. Ah, c'est ça. Parfois, Styx, je me demande comment serait la vie si j'avais pris une voie différente. Vous avez déjà vu des Spatia ? Cette arme là, après. Je suis à la fois dégoûté et impressionné. Hey, je suis occupé. Si vous voulez de le voir, allez voir ailleurs. Excusez-moi. Ah, elle me dirait. J'aimerais rejoindre un équipage. Vous avez une place ? Tenez-moi au courant si vous changez d'avis. Oh, bah non, je suis pas. Plein à craquer. Contente de vous revoir. Désolée pour cette histoire avec Benjamin Bayou à l'Astral Lounge, mais je n'ai pas eu le choix. Non, mais ce mec a un de ses toupets. Il me fait mourir de rire. Désolé. Ça vous inquiète pas un minimum qu'il ait aussi vite trouvé le virus et compris où nous nous retrouvions ? La naïveté, ça a du bon. Pour la fois t'es clair, vous endormez peut-être mieux la nuit, mais moi, ça me met dans la panade. Puisque Bayou a repéré le virus, je ne me risquerai pas à accéder au système. Tout mon travail pour pirater Gennardine est parti en fumée. Maintenant, je me retrouve coincée. Le travail préparatoire m'a coûté un max et j'ai aucun moyen de rentrer dans mes frais. Mais c'est les risques. Je suis partie de la flotte depuis 5 ans. Pas besoin de me rappeler que ce que je fais comporte un risque. Bon. J'espérais que vous comprendriez à demi-mot, mais tant pis. Je vais vous le demander franco. Vous pourriez m'allouer une partie de ce que vous gagnez sur cette mission ? Parce que bon, l'entrée donnée sur le réseau, c'est moi. Une petite somme compensatoire me semble raisonnable, au vu des circonstances. Oui, je pourrais le faire. C'est sympa, vraiment. On se serre les coudes et la flotte en sort renforcée, tout ça. Combien vous accepteriez de donner ? C'est un peu moins que ce que j'espérais, mais je vous remercie. Au moins, vous avez eu assez de cœur pour me rémunérer. Exactement. La moindre somme est déjà généreuse. Bon, nos chemins se séparent ici. Dites à Delgado que s'il a encore besoin de moi, je le lâcherai pas. Et je vous appellerai plus jamais la Bleuzaille. Pour moi, vous faites partie du clan. Vous êtes le sang de la flotte. Si quelqu'un vous dit le contraire, vous me l'envoyez direct. Comment ai-je fait pour deviner votre question à l'avance, hein ? Honnêtement, ça n'a aucune importance si je crois ou non en l'héritage de Krix. Ce qui est important, c'est que je crois en Delgado. S'il pense que poursuivre des ombres va nous rendre riches, alors qui suis-je pour le juger, pas vrai ? Je veux dire, je vais pas sauter d'une falaise pour lui non plus, mais s'il a besoin d'un vaisseau de plus à ses côtés, je serai là. Oh, Estelle, qu'est-ce que vous faites, ma J'ai entendu dire que ça chauffait sur la clé. Alors, je vais peut-être prendre mon vaisseau et aller en juger par moi-même. D'après la rumeur, Delgado aurait eu des infos fiables sur l'héritage de Krix. Une histoire avec laquelle il nous bassine depuis des années. Si jamais c'est vrai, je veux être là au moment où Shinyavos commencera à partager le butin. Si vous voyez ce que je veux dire. Benjamin Bayou, complètement gâché votre point d'utilisation. Complètement gâché ? Non. J'espérais qu'il reste plus longtemps sur l'ordinateur central de Gennardine, mais bon, Nyx sait vraiment ce qu'il fait. Bien qu'il m'ait fait payer l'équivalent de 6 mois de revenus. Avec un peu de chance, je pourrais rentabiliser mes coûts en un rien de temps. Faites bien attention. Bénin sera pas ravi d'apprendre que vous avez parlé à son frère.